Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous une petite enveloppe. Je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a les adresses des deux côtés. De toute façon, il n'y a rien à montrer. Si, ça. Alors, attendez, attendez, attendez. Hop, je veux bien cacher l'adresse. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Un petit timbre avec marqué pour toi, une petite souris avec des ailes. C'est trop choupi. Voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, enveloppe qui me vient de Virginie. Donc Virginie, Virginie, Nini. Alors. Et j'ai perdu son pseudo. Ah, ben j'arrive même pas à l'ouvrir. Nini 88, je crois. Hop là. Voilà. Nini 88, je crois. Hop. Ouh là là, ben je me suis fait spoil direct. J'ai tout chopé d'un. Oh ben bravo. Je me suis fait spoil les deux trucs qu'il y avait dedans. C'est pas bien. C'est pas grave. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi comment c'est trop beau. J'adore. Waouh. Ah, et ça brille de partout. Ah, vous n'allez pas le voir non plus. Vous n'allez pas le voir non plus. Alors pourquoi je dis vous n'allez pas le voir non plus? C'est parce que, en fait, dans tout son fond, il y a toutes petites paillettes argentées. Alors, comme dans. C'est marrant, tiens. Comme dans la carte de Valérie. Où est la carte de Valérie? Non, c'est pas la carte de Valérie. C'est la TC de Valérie. Oui, c'est la TC de Valérie. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hop là. Ouais, mais on voit toujours pas. Hein. Donc pareil, dans son ATC, il y a plein de microscopiques paillettes argentées. Et bah, je viens de répondre à mes commentaires ce matin avant de faire la vidéo. Et elle m'avait répondu que c'était un produit de chez PBO, mais alors je ne sais plus ce que c'est exactement. C'est un produit qu'elle vient mettre au doigt. Et j'ai l'impression que c'est un peu le même, la même chose. Mais vous voyez rien. C'est pas drôle. Ça rend tellement bien. Bref, donc du coup, on a de l'aquarelle. Oui, quand même, de l'aquarelle. Donc dans les tons un peu bleu, violine pour faire un fond. Ben, un fond de nuit, hein, tout simplement. Un petit peu de vert quand on revient un petit peu sur Terre. Deux petits personnages, donc un petit renard, un petit lapin qui regarde les constellations. Constellations et les petites étoiles qui sont retravaillées avec un petit crayon paillette doré à l'intérieur. Voilà. Trop beau. J'adore. Le petit meilleur vœu ici qui est très beau aussi. Moi, le petit zigoui-goui que j'aime beaucoup. Et des petits enamel dots, c'est ça? Des petits dots. Je sais pas comment on les appelle, ceux-là, qui sont tout faits, tout prêts. J'aime beaucoup. Pardon, normalement, j'ai eu le temps de mettre pause. Fallait que j'éternue. Donc, voilà sa magnifique carte. Elle est trop belle. Et tout ça, maté sur du doré. Sur du doré pailleté. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, je vais lire son petit mot. Mais avec plaisir. Ah ben non, par contre, t'as pas à être désolée, puis c'est pas grave, et puis j'attendais rien. Voilà. Et désolée pour sa réponse tardive. J'attendais pas de réponse. Donc, quoi qu'il en soit, t'as pas à être désolée. Voilà, c'est moi qui te remercie, mais t'as pas à être désolée. Merci beaucoup, c'est adorable. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Alors, alias, les créations de Nini 88. Voilà, c'est ça. Moi, j'étais juste à Nini 88. Mais c'est les créations de Nini 88. Voilà, je crois qu'il y a une demi-perle qui est tombée par terre. Alors, est-ce qu'elle venait de la TC? Attendez. Attendez, attendez. Ah oui, je pense. Il va falloir que je la retrouve. Je viens de la voir à l'instant. Elle devait être détachée directement de la TC et je viens de la voir tomber. Bon. Va falloir que je la rattrape. T'inquiète pas, je vais la rattraper et la recoller. Donc, sa petite ATC, voici, voilà. Sa petite ATC libérée là. Donc, avec un papier imprimé avec des petits, un peu comme des petits flocons. Elle nous a rajouté un petit zigoui-goui au crayon. Des petits éléments en autocollant, là, je sais même plus comment on appelle ça. Du sticker, mais un peu 3D, quoi. Voilà. Donc, le petit flocon et le petit pingouin. Et donc, on a trois petites demi-perles, du moins. Là, on en a deux, mais je vois qu'il y a une trace de colle. Donc, je pense que la troisième va ici. J'ai vu un truc glisser. Donc, ouais, c'est un peu brillé, entre guillemets. Donc, je pense que c'est vraiment ça.
Et voilà, sa superbe petite ATC, qui est gros choupi. Donc, c'est l'hiver, donc, qui a été fait en janvier 2024, et c'est la 3 sur 10. Voilà. Et voilà, je viens de mettre pause, j'ai retrouvé ma petite demi-perle qui était tombée, et je viens de la remettre à sa place. Voilà pour ça. Je me suis dit, il faut que je le fasse maintenant, sinon, j'ai même pas y pensé, ou je passe à autre chose, et voilà, on sait jamais. Donc voilà les petites merveilles que m'a envoyé Virginie. Un grand merci pour toi Virginie. Encore une fois, il n'y avait pas tu n'avais pas à être désolée, tu n'avais pas à m'envoyer de message de réponse. Voilà. Tout simplement, moi ça me faisait plaisir de l'envoyer aux copinettes, comme j'ai pu le dire déjà plusieurs fois. C'était juste parce que ça me faisait plaisir. J'attendais pas de réponse en retour. Voilà. Bref, je m'arrête ici. Je vous fais à tous des gros bisous. Encore merci à toi et à très vite. Salut!